Je commence cette vidéo en rendant hommage à notre tata, la tata de l'heure, Aya Robert. Oui. Merci la mère, merci tata pour ce combat, pour cette cause, oui. Vous savez que ces choses-là, quand tu commences les combats comme ça, il y aura toujours les gens contre toi. Vous savez, vous pensez que les gens qui sont dans les réseaux là ne veulent que ça finisse. Ils ne veulent pas que ça finisse. Ils ne veulent pas être attrapés. Donc, ils doivent contre-attaquer. Vous comprenez un peu. Il a tué les gens. Quand les gens sont en train de lutter pour une cause, il a tué les gens là pour dire que... Vous pensez que quoi? Que les Occidentaux nous dominent. Nous ont toujours dominés en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des frères qui sont prêts à nous combattre nous-mêmes. Donc, ils viennent, ils les identifient. Ça veut dire que toi, hey, je te donne tel, va combattre ton frère là, oui. Donc, c'est ton propre frère. Ton propre frère. Donc, il utilise ton propre frère. C'est comme ça. C'est la force des Occidentaux contre nous. Parce qu'ils nous utilisent nous-mêmes. Oui. Donc, quand on est en train de lutter pour une cause, vous pensez que c'est tout le monde qui est sur ça. Les gens, ils sont là, voilà l'autre là. Et c'est Bikongo. 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 On appelle un film là, Congo. Un singe là. Qui tourne un film là, appelle ça Congo. Oui, ça a trop chaud. C'est un peu chauffé comme ça là. Oui. Bikongo. Il avait fait un match comme ça contre Makosso. Il disait qu'il a une team. Il a les donateurs. Il a le ceci. Makosso l'a chouette. Makosso a parti prendre les donatrices de qui m'est venu jouer pour lui. Makosso l'a chouette. Makosso l'a chouette. Oui. C'est Bikongo là. Donc il est tué. Depuis le début de cette histoire, il est contre Aya Robert. Il ne fait que argumenter contre Aya Robert, combattre Aya. Elle lui dit, mais c'est quoi non? Arrive un moment, mon frère. Fais que faire les postes. Quand Aya Robert l'a récupéré. Ha! Quand Aya Robert a récupéré celui-ci. Écoutez un peu un extrait, écoutez. Je n'arrive même pas à imaginer comment on peut t'accoucher toi. Tu es fou comme ça, surtout on dirait pain sucré, ils ont oublié dans la lagune. On dirait les Ashantis là, quand ils veulent Boza. De Elie Bo pour venir en Côte d'Ivoire là. Quand les pères secrets restent dans l'eau et puis ça gonfle là, c'est comme ça tu es. Tu es comme ça, surtout on dirait Lévi. Ils ont mis dans Boson, ça fait une semaine. Tu es mal vilain, tu es coucou bêté à terre comme ça. Tu te vois même pas. Si on parle à toi là, c'est pour t'encourager de vivre. Sinon, tu n'es même pas un être humain. Toi, tu dois être les pygmées là. Faut pas énerver les gens. Tu peins ta bouille sale. Tu penses être à Bruxelles, tu fais tes ouïaouais, tu es embrouillé sur toi comme ça, on est fourmi, je ne sais pas quoi là. Tu penses être à Bruxelles, si on te parle pas, c'est parce que moi je ne fais pas parler avec les garçons, hein. Tu es malade, tu as parlé de mon enfant. Vous avez écouté, non? Que... Ouais, qu'il est comme le pain sucré qu'on a abandonné dans l'eau, ça a gonflé. La femme, si elle a un dictionnaire, c'est même pour les insultes. Hein. Aya Robert, ouais, que... Il y avait deux, c'est qu'il y a deux personnes que tu ne faut pas provoquer sur le méta. Deux femmes. Lolo Beauté et Aya Robert. Lolo Beauté, c'est à calmer le côté. Elle vend son piment en douce là. Oui. On a vu que non, trop bavarder sur le méta là, ça tue même son business de piment. Donc elle est partie se tranquilliser, vend son piment tranquillement. Oui. Mais Aya Robert, non. Elle a un dictionnaire, elle a un livre. Que c'est pas un con qu'il cause seulement avec lui. Lui, pour qu'il se sente comme s'il est un être humain. Sinon, c'est pas un être humain. Oh, Aya, tu as fini avec. Ah! Jusqu'à les gens ont posté qu'il est au CHU, il est en réanimation après le dabat de Aya Robert. Aya Robert là, on peut prendre quelqu'un comme ça, il y a Bikongo, yes! Oui, non, la femme là t'a fait. C'est tata t'a fait. Et tu le mérites. Ouais. On est là pour une cause. Toi, tu es là, tu viens embrouiller les gens, mon frère. Tu viens embrouiller les gens. La tata a fait. Elle a fait, Bikongo. Hop, hop. Yes. Donc, ce qui fait que. Aya Robert a reçu 49 plaintes.
Vous blaguez. 49 plaintes. Vous pensez que les gens la blaguent, qui vont se laisser prendre aussi facilement comme ça. Aïe, merde. 49. Oui. Écoutez la vidéo. Aussi. Qui a porté plainte contre toi déjà? Ah, parce que moi-même, je ne sais même pas encore. Mais en tout cas, je ne sais pas qui a porté plainte, mais je pense que je suis à 49 plaintes, non? Mais les plaintes qu'on t'envoie, tu as vu au moins le nom de la personne qui a porté plainte quand même? Je n'ai pas encore vu, mais je connais le nombre. Mais qui t'a dit le nombre? C'est bon, j'ai mon assistante qui se balade dans tous les commissariats pour me prendre les plaintes là. D'accord. Et quand l'assistante est venue, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que j'ai 49 plaintes. De qui? Pour l'instant. De qui? Le nom, on n'a qu'à laisser le nom. C'est Abidjan ici, les plaintes, c'est Abidjan ici. C'est Abidjan, on n'a qu'à laisser le nom pour ne pas qu'ils augmentent. Reste à 49. D'accord. Vous avez suivi, non? On vous dit que elle a touché un réseau. Et ces gens-là ne pensent pas, ils ne veulent pas se laisser faire. Ils ne vont pas se laisser faire. Oui. Mais heureusement que c'est. Elle dit qu'elle est la poutine. Elle ne se laisse pas faire. Elle est là. Elle est prête. Elle est prête. Elle va gérer. Oui. 49 plaintes. Ouais. Wow. Hey. Ce sont les gens qui veulent embrouiller les gens. Ils savent qu'on les a pris. On les a dévoilés. Ils veulent faire maintenant comme si... C'est comme si c'est diffamation. Vous comprenez un peu, non? Oh, diffamation, c'est monté de ça. Non! Le peuple est déjà éveillé. Vous pensez que vous pouvez tromper le peuple tout le temps? Non! Vous pouvez tromper le peuple une partie de temps, oui. Et vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Non! Vous ne pouvez pas tromper tout le peuple tout le temps. Non! Et en tant que non... On dit quoi? L'éveil des consciences. Oui, les gens commencent à se réveiller petit à petit. C'est comme les gens que Makosso réussit à endormir voilà, avec ces trucs de garba là. Ça a une fin. Ça a une fin. Ça a une date de péremption. Ça a une date de péremption. Et quand le moment là va arriver, je vous dis que, hein, et quand ils vont se réveiller de leur sommeil, c'est comme ça. Ces huiles de garba là a une fin, a une date de péremption. Voilà pourquoi il doit seulement aller en Israël chaque fois pour renouveler. Et en même temps, on va lui dire que non, maintenant pour donner, il faut que tu donnes tel, il faut que tu fasses ça. C'est là où ça va le dépasser. Et après, vous allez comprendre. Oui, et pas chaque fois en Israël, il repart renouveler. Oui, il part renouveler les huiles de garba. Ça a une date de péremption. Ok. Continuez. Le problème, c'est que vous avez dit que mais pourquoi vous. Parce que nous, on est des gens forts d'esprit. Les histoires, ça ne nous prend pas. Ça ne nous prend pas. Mais vous, que ça vous prend là, quelque part, je vous comprends. Voilà pourquoi je vous prends seulement doucement. Parce que si je veux vraiment vous d'abord, vous allez comprendre. Je lave ça seulement. Comme vous aimez mettre les organes là. Je sais pourquoi vous mettez les organes. Oui. Vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes sous l'emprise. Vous comprenez, non? Oui, donc, je vous comprends. Je vous comprends. Sinon, il y a des choses. Si on vient seulement dévoiler, commencer à vous d'abord ici, là. Vous allez me dire, amenez-nous en salle de réanimation. Amenez-nous. C'est chaud. la famille. Aya Robert, la poutine. C'est chaud. Continue, moi. Ma grande soeur, ma tata, nous on te soutient. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à sa propre. Surtout ne mettez pas les organes.